Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2S Car Audio. C'est un réel plaisir de vous accueillir comme chaque dimanche et on démarre cette édition du côté du tampon à l'occasion eh bien, du casting de Miss Passion Tuning 974 qui se déroulera le 22 novembre à l'occasion eh bien, de la deuxième édition du Carrefour de l'automobile au grand kiosque de la plaine des CAF et on vous propose de découvrir tout cela en images dans Passion Tuning. L'équipe de Tuning La Réunion et Passion Tuning 974 organise au mois de novembre la deuxième édition du Carrefour de l'automobile et on vous accueille sur le parvis de la mairie à côté de Monsieur le maire pour officialiser cet événement qui arrive, on va dire, à grands pas. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Ça va bien ? Ah, très bien, moi je suis passionné de tuning et je vois que les jeunes sont engagés dans ce programme-là. Mm-hmm. Donc c'est avec beaucoup de joie et de plaisir et de bonheur que le conseil municipal et la mairie du tampon mettront donc les installations au service de l'association. Programme. Voilà. Donc le Carrefour de l'automobile, deuxième édition qui se déroulera le 22 et 23 novembre au grand kiosque de la plaine des CAF. Voilà, donc c'est une nouveauté pour nous. Hein, merci de nous avoir fait confiance. C'est un endroit où il y a plusieurs grands kiosques qui font au total 5000 mètres carrés. Donc on aura l'occasion de s'exprimer, d'accueillir tous ceux qui sont passionnés de tuning et de mettre en valeur aussi le travail de l'association. Donc nous allons soutenir votre action et faire en sorte que cela soit un succès parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois de novembre, il fera déjà très chaud et que tout le monde sera invité à monter dans les hauts et nous préparons pour vous un grand programme d'animation et pour vous accueillir tous les Réunionnais, les Réunionnais et les jeunes en particulier. Tout à fait, et les gens pourront aussi découvrir toute la composition de ce week-end, notamment le forum des métiers lié à l'auto et à la moto. Qu'est-ce que vous en pensez eh bien, de ce forum des métiers sur cet événement ? Je voudrais féliciter votre association Tuning Réunion parce que je me disais toujours, mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir et alors, à partir de quand ? Et je crois que dans le programme que nous avons prévu pour la plaine des CAF, sur 4 mois d'animation, chaque week-end, votre place s'y trouve. Et c'est une joie pour tous les jeunes. Ceux qui font du tuning, on les appelle comment ? Les passionnés du tuning. Tout à fait. Alors il faudrait qu'une génération précédente vienne aussi avec nous pour bien s'amuser à la plaine des CAF et voir c'est quoi le tuning, comment ça marche et faire du développement, quoi. Tout à fait, parce que sur cette deuxième édition, on va effectuer l'élection eh bien, de Miss Passion Tuning 974, une première, hein, une belle animation. Oui, tout à fait. Et la ville du tampon est bien placée pour accueillir cette manifestation. Nous disposons des endroits idéaux, un climat idéal, et puis j'espère que tous les Réunionnais seront là. Ah ben, on espère aussi. Mais écoutez, moi j'invite tous les Réunionnaises, les Réunionnais, les jeunes, hein, et tous ceux qui sont passionnés de tuning, de venir aux manifestations organisées par Tuning Réunion. Tuning Réunion, Tuning Passion. Tout à fait. En fait, l'association Tuning La Réunion qui va organiser aux côtés eh bien, de l'émission Passion Tuning 974 ce week-end du côté de la plaine des CAF en collaboration avec la mairie du Tampon. Et encore merci Monsieur le maire de nous faire confiance. Tous mes collègues et puis toute la population. Tout à fait. Bon, voilà. Alors la Réunion était invitée à monter à la plaine des CAF, c'est ça ? Voilà, exactement. À bientôt. On va faire quelque chose merci de génial là-haut. Au revoir, bye bye. Ça marche. On poursuit l'aventure à l'occasion de ce casting pour l'élection de Miss Passion Tuning 974. Et à mes côtés, Ghislain, bonjour, comment ça va ? Bonjour William, ça va très bien, merci. Super, merci bien de ta présence. Il n'y a pas de souci, on est toujours présent pour vous. Super, surtout qu'on entame là les préparations pour la deuxième édition du Carrefour de l'automobile au mois de novembre, le 22 et le 23. Mais aujourd'hui, on organise déjà eh bien, l'élection, enfin du moins le casting à l'élection de Miss Passion Tuning. Et bien sûr, ça passe par ta présence et les belles voitures de prestige. Et encore
Alors merci de nous recevoir dans ces deux beaux événements. Mm-hmm. Ça y est, c'est le top départ, donc Carrefour... Deuxième édition, et on attend ça avec impatience. Tout à fait, où on va retrouver bien sûr les 12 prétendantes qui, le 22 au soir, on aura notre Miss à nous, Miss Passion Tuning 974. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Là, on a déjà eu un petit aperçu, il y a quelques-unes qui sont déjà arrivées, là, mm-hmm. le casting. Je pense que ça va être un très très beau spectacle. Tout à fait, j'en doute pas. Donc avec on va dire une belle animation à côté de tout cela, on garde le forum des métiers, on aura trois pôles importants, la sécurité, l'environnement et la santé. On aura aussi la mise en avant des véhicules propres et la nouvelle technologie hybride. Franchement, c'est une grosse animation qu'on propose eh bien, à notre public qui va venir sur ce week-end, ces deux jours, et eh bien voir qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le Carrefour de l'automobile. Oui, bah alors ça sera encore mieux que l'année dernière. Voilà. Même si déjà l'année dernière c'était déjà très très bien. Donc on va voir comment on prépare cette nouvelle édition. Tout à fait. Et de la nouveauté de ton côté, de votre côté. Dans quelques jours, on espère vous recevoir dans nos locaux pour vous faire découvrir la petite nouveauté. Alors du coup, surprise, plus que quelques jours. Mystère. Voilà, normalement donc vendredi prochain. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, annoncer, on va dire? Beaucoup de chevaux. Ah. 521, deux séries. Quand même. 1500 exemplaires. Ok. Unique sur l'île. Il est quasiment unique sur l'île, oui. En tout cas, dans ce coloris-là, là, il se va sortir de peinture. Mm-hmm. On va dire dans son blanc immaculé. D'accord. On est vraiment pressé de pouvoir vous le présenter. Ok. Un beau véhicule. D'accord. On reste sur des américaines. Non. Alors là, ça sera ça sera une allemande, de la deuxième allemande. Très bien. Il y avait le X6 allemand, il y avait le Range Rover anglais. Mm-hmm. Et là, ça sera une allemande. Un indice, pas une BMW. D'accord. Qui sera bien sûr présent sur le Carrefour de l'automobile deuxième édition au mois de novembre? Il y a pas de souci. Toujours présent. Bon, écoute, nous on te remercie une fois de plus. Y a pas de souci, merci à vous et à bientôt. Nous on poursuit bien l'aventure sur ce casting, aller auprès de ces charmantes demoiselles et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles en pensent et pourquoi aussi elles veulent participer à ce concours, à cette élection de Miss Passion Tuning 974. On va voir ça. Très important quand même. On fait comme ça ? On fait comme ça. Super, merci. À bientôt. Le Carrefour de l'automobile et de la moto aura lieu le 22 et le 23 novembre prochain au Grand Kiosque à la Plaine des Cafres. De nombreux volets seront présents sur cet événement majeur dans l'automobile et de la moto à La Réunion. Nous reviendrons sur ces volets dans les prochaines éditions. Vous pouvez suivre également l'actualité sur cet événement sur les sites internet dédiés spécialement au Carrefour de l'automobile et de la moto. Passion Tuning 974. L'équipe de Passion Tuning et Tuning La Réunion prépare le casting à l'élection de Miss Passion Tuning 974 à l'occasion du Carrefour de l'automobile deuxième édition. Et le club Satudara sera en show avec ses prétendantes sur l'événement. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. On sera présent sur l'événement à ton invitation. Super. Avec plaisir. Mm-hmm. Et voilà, donc vous allez combiner, on va dire, une entrée avec les prétendantes à l'élection de Miss Passion Tuning lors de cet événement. Oui, tout à fait. On va faire en sorte d'accompagner les filles avec les motos à l'intérieur de la salle. Tout à fait. Et ensuite, laisser le show se dérouler à ta guise. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on vous remercie de nous faire confiance une fois de plus. Comme on t'a toujours dit, on sera toujours présent à tes côtés. Et nous, on te remercie encore de nous avoir invités sur cet événement. Il n'y a pas de souci. Nous, on aime bien travailler avec vous. On voit que c'est très hiérarchisé. Donc, présente-nous encore une fois, on va dire, ce club. Hein, on commence à vous connaître via l'émission Passion Tuning 974 sur Télécréole. Mmh. Mais pour les personnes qui prennent en cours, l'émission, on présente le club. Bon, je vais essayer de te la faire courte quand même un peu. Quand même. Le Satudara MC est un club international. Donc, comme son nom l'indique, présent dans plusieurs pays, avec trois chapteurs donc sur l'île de La Réunion, qui représentent les premiers chapteurs français de ce club international. Ouais. Pas mal du tout. Et les valeurs que vous portez, qui est très 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 intéressant et important. Nos valeurs, elles sont très simples. C'est l'unité, la famille. Comme le club Satudara, le nom, en fait, c'est un seul sang. Un seul sang. C'est pour ça qu'on a nos emblèmes qui portent une tête d'Indien noire et blanche, avec du sang au milieu. Que tu sois noir ou que tu sois blanc, on est tous des frères, on est tous une famille, on a tous le même sang qui coule dans nos veines. C'est un beau message. C'est un beau message. Une famille avant tout, voilà, ouais. Tout à fait. Ça nous fait vraiment plaisir de
vous accueillir à l'occasion eh bien, de cette deuxième édition du Carrefour de l'Automobile. Et avec l'émission Passion Tuning, nous, on va eh bien, à chaque fois informer la population de ce qui va se passer, du déroulement de ces deux jours qui arrivent, on va dire, quand même assez vite pour nous, organisateurs. Sûrement, voilà. Mais on sera là, on sera toujours présent à tes côtés. Et on te remercie pour l'aide que tu apportes aussi au développement du club Satoudara à La Réunion. Mais il n'y a pas de souci, c'est vraiment, on va dire, un travail d'équipe, d'effort commun. Et je pense qu'on peut avoir que de bons résultats dans ce sens-là, n'est-ce pas, Phil ? C'est ce qui devrait se passer, oui. Tout à fait. Absolument. Ben, on tenait tout d'abord à te remercier de nous avoir invités encore une fois. Mm-hmm. Comme disait le Nomade, c'est un partenariat qu'on a ensemble et qu'on sera là toujours à tes côtés sur tes invitations. Il n'y a pas de souci. On sera toujours là. Avec grand plaisir, avec tout le club qui est à l'arrière. Un petit cri de guerre. C'est tout à la tête up. Tête up, c'est là. Ah, bravo, merci. Merci à toi. Ça marche. La gente féminine est au devant de la scène dans notre édition, bien représentée par les charmantes prétendantes, mais aussi par Frédéric. Bonjour. Bonjour, William. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Bien, merci. Alors, comment ça se passe un petit peu? Tu as vu un petit peu notre organisation au niveau du casting. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pu voir de charmantes demoiselles donc, pour concourir à l'élection de Miss Tuning. Quelques-unes sont vraiment très très, très, très belles et je pense qu'elles pourraient très très bien représenter le tuning à La Réunion. Super, donc tu seras eh bien, notre consultante durant ces quelques mois, participer un petit peu à l'aventure de Miss Passion Tuning 974 et justement nous faire bénéficier un petit peu de ton expérience, car tu fais des shootings photos aussi si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai fait quelques-uns, oui. C'est vrai que c'est toujours une belle expérience. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude d'en faire avant, donc auparavant. Donc, pour moi, j'ai découvert il y a quelques mois la photo, donc voilà, avec mes voitures. Tout à fait. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. On rappelle que côté voiture, vous avez un beau parc de voitures américaines, c'est ça? Oui, et quelques européennes aussi quand même. Donc, c'est vrai que le plus gros, c'est quand même des voitures américaines. Donc, voilà, c'est ma passion, donc... Tout à fait, je profite de l'occasion. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? On a appris précédemment qu'a priori, il y a du 500 et quelques chevaux, mais vous nous avez habitués à des gros gabarits. Hein, des gros gabarits. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens qui va arriver prochainement? On ne sait jamais. Je confirme, oui, il y aura encore des nouvelles surprises pour La Réunion, pour les Réunionnais. Donc, d'accord, pas plus de... Restez connectés, vous allez en voir encore... avoir encore de belles surprises. Qui sera présent sur le Carrefour de l'Automobile, c'est ça? Au mois de novembre? Oui, alors ça sera avant le mois de novembre, oui. Ok, donc on sera au rendez-vous, oui. Ok, donc on a un gros programme sur ce Carrefour de l'Automobile, notamment eh bien, l'élection de Miss Passion Tuning. On met la gente féminine en avant et on espère vraiment que ça va plaire à l'ensemble eh bien, de notre public sur cette deuxième édition. J'espère bien. Donc en fait, c'est toujours un plaisir pour nous de participer et d'être à vos côtés. Donc une belle équipe comme vous, donc c'est toujours un plaisir. Il n'y a pas de souci. On te remercie d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous. Et de travailler ensemble, car c'est dans le travail d'effort d'équipe qu'on arrive à de bons résultats. Oui, ben c'est certainement, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Passion Tuning 974. La semaine prochaine dans Passion Tuning, nous reviendrons en images sur l'événement Bass Race et Tuning qui s'est tenu à la Petite Île en juillet dernier. Cet événement était organisé par l'ADSE et Tuning La Réunion. Bonne soirée et bonne semaine à tous sur Télécréole. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.